Le journal sur la 10e télévision, c'est tout de suite, mais avant de l'ouvrir, le sommaire. Lancement ce samedi 15 juillet en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la première promotion de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires du ministère public, la ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Mutombo ainsi que le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamouleta étaient également de la partie. Sidéré, consterné par la mort de Chérubin Okende, député national et ministre honoraire des Transports du gouvernement Sama 1, le chef de l'État lui rendant hommage lors du 104e Conseil des ministres a instruit la ministre de la Justice à recourir à l'expertise des Belges et Sud-Africains afin de traquer les auteurs, c'est-à-dire du commanditaire à l'exécutant de cet acte odieux. Processus électoral prévu initialement pour ce samedi 15 juillet, la clôture des opérations du dépôt et traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux a été prorogée de 7 jours, soit jusqu'au 23 de ce même mois, dans l'objectif d'assurer une pleine inclusivité de ce processus électoral en cours. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition vespérale du journal sur la 10e rue télévision. Comme annoncé au sommaire, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a préparé ce samedi 15 juillet au Palais du Peuple au lancement de la formation de la première promotion de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires du ministère public. On prépare également à cette cérémonie la ministre de la Justice Rose Mutombo et le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamouleta. Les détails dans cet élément. Sans la justice, il n'y a pas de développement possible. Comme pour dire que l'absence de la justice est une banalisation du mal. Mais un système judiciaire efficace est un moyen de dissuasion et de paix. C'est pleinement conscient de ce rôle attendu dans la construction de notre État que je suis régulièrement revenu sur les questions lancinantes de la corruption et de l'impunité des criminels, ainsi que sur les autres antivaleurs qui, généralement, accentuent la descente aux enfers de notre pays. Dans ces conditions, la justice ne saurait être ce régulateur vers lequel accourent les citoyens lorsqu'elle-même est immergée par des pratiques corruptives et autres agissements qui n'inspirent plus confiance, s'invitant de ce fait sur le banc des accusés. C'est dans ce sens que, m'adressant à la nation à travers ses représentants en décembre 2021, exercice réitéré en décembre 2022 et plus récemment à la suite de la session questions-réponses avec nos compatriotes, je fustigeais encore ces mots et annonçais mon engagement à insuffler un nouveau départ à notre justice suivant une stratégie simple, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Au cours du 104e Conseil des ministres qu'il a présidé le vendredi 14 juillet, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est largement revenu sur l'assassinat du député national Chérubin Okende. Le président de la République instruit la ministre de la Justice de faire recours à l'expertise belge et sud-africaine afin de faire toute lumière de cette ignoble affaire. Un élément de Paul Singa. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé sa colère et son indignation en désapprouvant et condamnant avec la dernière énergie ces crimes qu'il qualifie d'odieux. Il affirme que ces crimes ne demeureront pas impunis. Par ailleurs, le président de la République a instruit à la ministre de la Justice de faire recours à une expertise de la Belgique et de l'Afrique du Sud, dont le seul souci de faire éclater la vérité sur ces crimes. Juste après, il s'en est suivi une minute de silence observée en mémoire de Chérubin Okende. L'honorable Chérubin Okende, que vous avez très bien connu, qui a siégé avec nous dans cette salle. Donc, prenons un petit moment de recueillement à sa mémoire. Dans son impartialité et son indépendance, la justice est appelée à faire toute la lumière sur cette ignoble affaire, a déclaré le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Dans le même ordre d'idées, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyeya Katembwe, est revenu sur l'ouverture de l'enquête du meurtre de Chérubin Okende sollicité par le chef de l'État avec la participation de l'expertise internationale. Le président de la République a de la manière la plus ferme désapprouvé et condamné ces crimes odieux qui a ôté la vie à un serviteur de la République dans des conditions tragiques que rien et alors rien ne saurait justifier. En sa qualité de garant de la nation, de la paix et de la sécurité individuelle et collective, mais aussi du bon fonctionnement des institutions, il n'a pu contenir sa colère et son indignation quant à l'atteinte faite par cet acte odieux au symbole de la République, notre République. Le président de la République a souligné que cette barbarie, autant que toutes les autres formes de forfaiture sordide auxquelles s'adonnent les ennemis de la République, est une attaque contre les symboles du pays, en l'occurrence la paix et la sécurité, auxquelles ont droit chaque citoyen, où qu'il se trouve, sans discrimination fondée sur sa race, sa tribu, ses convictions politiques ou religieuses. Il a exprimé ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Réitérant son ferme attachement à l'état de droit, le président de la République fonde tous ses espoirs sur notre justice pour que les ou les auteurs de ces crimes odieux puissent être déférés auprès des instances compétentes et subir la rigueur de la loi. Ces crimes ne demeurera point impunis. Encore une fois, j'appelle au nom du peuple congolais la justice, dans son impartialité et dans son indépendance, à faire toute la lumière sur cette ignoble affaire, a-t-il insisté. Dans cet ordre, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a été chargée de prendre contact avec les autorités belges, dont le Premier ministre a dit au Président de la République la disponibilité de son pays à s'associer à l'enquête diligentée. Les experts sud-africains pourront aussi être associés, suivant les rapports qui ont été faits par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui était jusqu'hier pour un séjour de travail. Poursuivons toujours dans cette même lancée, meurtre de Chérubin Okende. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa ouvre une enquête et appelle toute personne détenant une information de nature à bien faciliter les enquêtes de bien vouloir se rapprocher de son office. Les détails dans cet élément. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale, de la découverte du corps sans vie de l'honorable député national Chérubin Okende Senga le jeudi 13 juillet 2023 vers 6h du matin à bord d'un véhicule de marque Lexus Sport de couleur verte immatriculé 8953 AF-19 sur l'avenue des poids lourds aux environs de Sep Congo, quartier de la gare centrale dans la commune de la Gombe. À cet effet, une enquête a été ouverte et les services compétents mobilisés afin d'élucider les circonstances exactes de ce crime et d'en trouver les présumés auteurs. Ainsi, le commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, demande à toute personne qui détiendrait une quelconque information de nature à faciliter les enquêtes de bien vouloir se rapprocher de son office. Par la même occasion, il invite la population au calme et la rassure de la prise de toutes les dispositions pratiques pour garantir la sécurité publique.
faite à Kinshasa le 14 juillet 2023, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa ad intérim, Mukuna Ntumba Edi, commissaire divisionnaire adjoint. Processus électoral comme annoncé au sommaire, censé se clôturer ce samedi 15 juillet, les opérations de dépôt et traitement des dossiers des candidatures pour les élections des députés nationaux sont prorogées de 7 jours par la Commission électorale nationale indépendante. La CENI proroge pour 7 jours les opérations des dépôts et de traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux. Ces opérations étaient censées se clôturer ce samedi 15 juillet, mais elles vont aller jusqu'au 23 juillet. À travers un communiqué de presse rendu public, ce 15 juillet, la centrale électorale a noté que certains bureaux de réception et de traitement des candidatures n'ont pas enregistré des dossiers de candidature. Suite aux interactions avec les différentes parties prenantes concernées, elle a constaté qu'il persiste des multiples défis auxquels elles sont confrontées, notamment la constitution de leur dossier de candidature, les difficultés logistiques, des communications, des programmes de vol et transmission de preuves de paiement, des frais de dépôt des candidatures. L'on note par ailleurs que c'est dans le souci de rester toujours à l'écoute et soucieuse d'assurer l'inclusivité du processus électoral en cours et de garantir l'équité des traitements entre les candidats indépendants et ceux des partis et regroupements politiques qu'elle a opté pour cette prorogation de 7 jours supplémentaires. Lecture faite par Manuela Kitalongo est toujours dans le même organe. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricien Seya, a eu une séance de travail avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, vendredi 14 juillet à Kinshasa au bureau pour une séance de travail. Dans l'objectif de renforcer les sentiments de vivre en commun par le Congolais au-delà de confrontations électorales, des rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Seya, a eu une séance de travail avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe. Leur entrevue a tourné autour de dispositions à prendre en cette période des dépôts des candidatures et aussi des directives à donner aux médias, toujours en rapport avec les élections. Pour les patrons du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, l'heure est venue pour les deux institutions d'appui à la démocratie de cogiter ensemble pour que la période préélectorale, électorale et post-électorale n'enregistre aucun regain des tensions. Et nous avons tous intérêt à ce que les choses se passent très bien. Voilà pourquoi nous avons été honorés de la visite de la CENI et on a discuté. Je crois qu'on a remis de programme nos propositions et la CENI va devoir étudier à son tour. Et puis on va mettre en place un cadre de concertation, CENI-CESAC, pour enfin bien mener cette campagne, cette période électorale. Quant aux porte-parole de la centrale électorale, les médias doivent éviter de diffuser les activités des candidats qui emmènent leurs militants au bureau de réception et traitement des candidatures. Il était question de notre côté de voir le président du CESAC pour échanger sur cette question, mais aussi échanger déjà sur les préalables de la campagne électorale qui s'annonce pour le mois de novembre. Il faudrait préparer en amont cette activité pour qu'on ne soit pas pris par des difficultés de la dernière minute. Les deux personnalités ont convenu de mettre sur pied une cadre de concertation pour actualiser les documents, comme les codes de bonne conduite des journalistes nationaux et internationaux, des directives aux médias en temps d'élection, mais aussi la gestion de la campagne électorale par leur institution. Autre chose à présent, Normel Kabeya, l'un des membres du parti au pouvoir, a organisé une grande rencontre ce samedi 15 juillet au terrain jaune à Salongo, situé dans la commune de Limba, avec les jeunes de l'UDPS et ceux des différents partis et regroupements politiques sous le thème « Prise de conscience et éveil de la jeunesse face aux enjeux de l'heure et sensibilisation massive pour le processus électoral ». Charlie Kitengue dans cet élément. Prise de conscience et éveil de la jeunesse face aux enjeux de l'heure, tel a été le thème principal de la grande journée réunissant un parterre de jeunes, des l'UDPS et ceux venus des différents partis et regroupements politiques. C'était ce samedi 15 juillet dans la commune de Lemba, précisément au terrain jaune,
à Salongo, organisé par l'un des membres du parti présidentiel, Normel Kabeya, appelé affectueusement le plus jeune congressiste, en vue de sensibiliser ce jeune afin d'affûter leurs armes aux élections à venir. Pour Normel Kabeya, le seul et unique candidat à voter aux prochaines élections demeure le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car il fait du changement de la RDC son cheval de bataille. On s'est réunis entre nous les jeunes de Lemba, précisément à Salongo ici, pour essayer de parler face aux enjeux qui prévoient l'ère qui est électorale et post-électorale, essayer d'éveiller la conscience des jeunes, de ne pas être dans la manipulation, de ne pas se laisser manipuler pour chercher à bien élire aux élections qui pointent à l'horizon. Et surtout aussi faire confiance au chef de l'État qui ne cesse de promouvoir la jeunesse qui nous faisons aussi partie. Et puis on s'est réunis aussi ici en ces jours pour commémorer une journée qui est internationale, celui des jeunes compétents qui a été adoptée par les Nations Unies en 2014. Donc, faisant partie de cette jeunesse compétente, voilà pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui. Dès sa part, l'un des participants à cette grande rencontre a évoqué ici son satisfait. La seule chose qui nous a beaucoup tiqué, le message de Normel Kabeya, le plus jeune congressiste de l'île de PES, il nous a carrément dit que cette fois-ci, la jeunesse doit être consciente, la jeunesse doit être éveillée, à faire un choix judicieux pour éviter de tomber dans le mot qu'il y avait avant, qui nous lançait et puis à réclamer qu'il y ait un changement de la classe politique par-ci par-là. Alors il nous a fait voir que non, quand on choisit au sommet, on doit aussi tenir compte de choisir au niveau de député national et provincial. D'un autre côté, déterminé à donner un second mandat au chef de l'État Félix Tshisekedi, Pascaline Koudoura, cadre de l'UDP, s'est rendue dans sa base en Ngomba Kikusa, où elle a réuni plus de 10 présidents cellulaires. Une rencontre qui intervient après sa nomination au poste d'administrateur de la Société nationale des chemins de fer du Congo par le chef de l'État. Après sa nomination comme administrateur à la Société nationale des chemins de fer du Congo, Pascaline Koudoura, au cadre du parti au pouvoir UDPS, s'est rendue à sa base d'Ngomba Kikusa où elle a été accueillie par plus de 10 présidents cellulaires qui composent la base d'Ngomba Kikusa. Dans son speech, Madame Pascaline Koudoura, maman sociale comme l'appelle ses siens, a avant tout remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa nomination. Mais elle a aussi invité toute sa base de rester derrière Augustin Kabuya, secrétaire général du parti au pouvoir, enfin de l'accompagner. Pascaline Koudoura invite ses siens à voter utile, de voter plus les candidats de l'UDPS pour donner une majorité parlementaire au chef de l'État. Je suis venu partager avec les combattants du parti, combattants et combattants du parti, partager les préoccupations, les enjeux de l'heure, c'est les élections 2023, les stratégies à peaufiner pour apporter une majorité confortable. D'abord l'élection du président Olama, une majorité, vraiment une élection totale, la réélection du président Fatty, et aussi lui apporter une majorité confortable au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat et toutes les assemblées provinciales, etc. Donc, à tous les niveaux, nous sommes en train, on était avec les combattants du parti, et surtout, je suis venue d'abord pour remercier le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour ma nomination comme administrateur dans la grande Société nationale des chemins de fer SNCC. Notons par ailleurs que Pascaline Koudoura ne ménage aucun effort pour donner un second mandat au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux échéances électorales de décembre prochain. Parlons sécurité à présent. C'est dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, que les stagiaires de la 6e promotion de l'École supérieure d'administration militaire, ESAM, ont clôturé vendredi 14 juillet dernier leur voyage d'études d'une semaine, signé Manuela Kitalongoy.
Le stagiaire de la 6e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa a clôturé ce vendredi 14 juillet 2023 leur voyage d'études au Cameroun à l'issue de séries de visites d'études effectuées dans la ville de Douala. Arrivé ce même vendredi dans la capitale économique du Cameroun, le 27 stagiaires de l'ESAM ont assisté tour à tour à des séances de travail. D'abord à la base logistique continentale de l'Union africaine et à la base navale de Douala, où un exposé a été présenté à l'intention de ces 27 stagiaires par les capitaines des vaisseaux Young autour du thème « Les menaces transfrontalières » et la réponse sous-régionale, cas de la zone D. Bon, dans ces deux visites, dans la base logistique de l'Union africaine, là c'était plus le soutien matériel hein, des contingents, donc des PC, des postes de commandement des différents contingents. Donc les contingents venaient avec leur matériel, mais par contre, la base logistique pourvoyait aux besoins de postes de commandement. Mais par contre, ici, nous avons survolé plus des menaces qu'il y a au niveau du golfe de Guinée. Le trafic des drogues, il y a des navires qui vont en dérive parce que ce sont des navires qui transportent des migrants, donc il y a beaucoup de choses. Auparavant, les commandants de l'école supérieure d'administration militaire et chef de délégation a présenté ses civilités au général Ebaye Babed Benoît, commandant de la 2e région militaire interarmée et commandant place de l'armée camerounaise à Douala. La délégation de l'école supérieure d'administration militaire n'a pas manqué de visiter les stades de Djapoma, un des plus grands stades du Cameroun, avec une capacité d'accueil de près de 50 000 personnes. C'est même vendredi. Cette journée marathon a permis aux 27 stagiaires de l'école supérieure d'administration militaire qui seront au terme de leur formation détenteurs d'un diplôme de qualification en logistique interforce d'avoir une idée sur le mode de fonctionnement de la base logistique continentale de l'Union africaine, mais aussi en ce qui concerne la sécurisation du golfe de Guinée. Les stagiaires ont pu apprendre davantage à la base navale de Douala sur le défi de l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée. Et ce voyage d'une semaine se clôture ainsi ici, dans la ville de Douala, capitale économique de la République. Autre chose à présent, dans le souci d'encadrer la jeunesse congolaise, la jeunesse de l'église Centre communautaire chrétien pour l'adoration que dirige le révérend pasteur Jean-Pierre Munganza organise une grande convention des jeunes qui a débuté le vendredi 14 juillet jusqu'au dimanche 16 juillet. Encore une fois, Christian Bossoy dans un reportage signé Jessica Bambi. La jeunesse de l'église Centre communautaire chrétien pour l'adoration CCCA en sigle que dirige le révérend pasteur Jean-Pierre Munganza organise une grande convention des jeunes qui a débuté ce vendredi 14 juillet dernier au dimanche 16 juillet prochain dans leur siège d'Ngaliema dont l'orateur du jour, le docteur Guigui Ilungambayo, a prêché dans le livre d'Exode 33, verset 18. C'est pourquoi j'ai dit dans sa prédication, l'orateur du jour s'est basé sur le thème « Fais-moi voir ta gloire ». Le révérend pasteur Jean-Pierre Munganza invite le jeune à prendre part à cette grande convention. Les assises concernent la jeunesse. C'est comme on dit, il n'y a pas de succès sans successeur. C'est pourquoi il est bon que de temps en temps, l'Église puisse penser à des assises un peu spécifiques aux jeunes. C'est pourquoi nous invitons tous les jeunes, ça les concerne. Demain, nous ne serons pas là. Ce sont eux qui vont prendre la relève. C'est pourquoi nous les attendons ici, demain, après-demain. Vraiment, ça sera une très bonne chose pour leur éducation et pour l'édification de leur foi dans le Seigneur. Signalons par ailleurs que le Centre communautaire chrétien pour l'adoration se situe sur l'avenue de la montagne numéro 19/11 dans la commune d'Ngaliema, référence aux tensions. Parlons sport. En bref, champion en titre, la République démocratique du Congo ne disputera pas le sprint final de l'AfroCAN 2023. L'équipe congolaise a été battue par la sélection marocaine en demi-finale. 76 à 69 a été le score. Les Léopards, monsieur, dont les Lions d'Atlas ont brisé leur série d'invincibilité, disputeront la troisième place de cette deuxième édition de l'AfroCAN 2023. Autre chose, la Direction générale des impôts, lue par Manuela Kitanungoy dans ce communiqué.
La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié hier et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance des souscriptions des déclarations à afférentes au mois de juin 2023 intervient ce samedi 13 juillet 2023. Étant donné que cette date échéance tombe un samedi, les contribuables concernés sont invités à souscrire leurs déclarations et à payer leurs impôts au plus tard le vendredi 14 juillet 2023. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. L'attention des contribuables est attirée sur le fait que les compensations sont interdites conformément à l'article 3 de la loi des finances numéro 22/071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 du ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel Isis Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État telles que modifiées et complétées par le décret numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, les contribuables assujettis aux impôts ci-haut indiqués sont invités à télécharger leur déclaration fiscale sécurisée sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. À cet effet, ils sont invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF de leurs déclarations et de preuves des paiements de 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Par ailleurs, les contribuables ayant suivi la formation sur la télédéclaration sont invités à bien vouloir utiliser cette procédure lors de cette échéance. Communiqué du directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba. Et voilà, c'en est fini pour cette édition Vespera du journal sur la 10e Re Télévision. Mais avant de vous quitter complètement, rappelons les titres. Lancement ce samedi 15 juillet en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la première promotion de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires du ministère public. Rose Mutombo, ministre de la Justice, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, étaient également de la partie. Sidéré, consterné par la mort de Chérubin Okende, député national et ministre honoraire des Transports, le chef de l'État lui rendant hommage lors du 104e Conseil des ministres instruits, la ministre de la Justice a recouru à l'expertise des Belges et Sud-Africains afin de traquer les auteurs, c'est-à-dire du commanditaire à l'exécutant de cet acte odieux. Et pour finir, processus électoral en RDC prévu initialement pour ce samedi 15 juillet, la clôture des opérations du dépôt et traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux a été prorogée de 7 jours soit jusqu'au 23 de ce même mois dans l'objectif d'assurer une pleine inclusivité du processus électoral en cours. Grande a été ma joie de vous présenter ce journal. C'est par ici que nous clôturons en remerciant la grande équipe rédactionnelle et technique de la 10e télévision, spécialement à Paul Singa et Manuela Kitalungoy. Portez-vous bien et bon week-end chez vous.